Salut à tous, ce week-end, quatrième round du championnat d'Europe. On se retrouve à Saint-Jean-d'Angély, Grand Prix de France, ça va être exceptionnel je pense. On est là pour mettre du gaz, prendre du plaisir et régaler surtout les spectateurs et les fans. Donc je pense que ça va être un week-end vraiment incroyable et je vous laisse le découvrir avec nous. Allez. La merde apparemment. Enfin, genre t'es trop long. Et il a essayé là sauter sur le talus aussi, direct. Bon, ah ouais, genre ce côté là, le boulot en style. Du coup, à partir de en bas là-bas, j'ai eu un problème, plus de GoPro, j'ai eu un bug complet. Donc tout le reste de la piste, vous l'aurez pas, je suis vraiment désolé. Petit problème technique, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais de toute façon on va refaire des tours de piste, donc je vais reprendre la GoPro. Et je vous tiens au jus, mais... Enfin je vous tiens au jus, je... Voilà, je voilà. Bon, fin de cette première journée, c'était plutôt cool aujourd'hui pour une journée du vendredi. En général ça se passe toujours comme ça, donc on n'avait pas beaucoup de route déjà, donc ça c'était vraiment positif. Ensuite quand on est arrivé Tracol direct, parce qu'ils annonçaient pas mal de pluie l'après-midi, donc Tracol, après on a été manger. Ensuite du coup on a attendu que la pluie s'arrête pour aller faire les photos du team avec les nouvelles motos, enfin la nouvelle déco et la nouvelle tenue du coup pour ce week-end pour le GP de France, parce que c'est quand même exceptionnel, il faut marquer le coup. Ensuite il y avait les départs, les essais de départ des 450 et des 2,5. Donc un nouveau truc qui est arrivé cette année en GP, nous on a malheureusement pas le droit, mais bon c'est comme ça. J'ai aussi été essayer la moto, ensuite on est rentré, j'ai mangé au restaurant, ensuite on est venu là, et puis là maintenant c'est l'heure de dormir, et puis on se retrouve demain matin au réveil. Bon, on est samedi matin, jour de course aujourd'hui. On finit de préparer les lunettes comme vous le voyez. Il a pas mal plu cette nuit apparemment, donc la piste doit être bien trempée, on va aller voir ça. En tout cas, le parc pilote c'est bien trempé, donc on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, c'est libre à 9h20 et je vous donne rendez-vous sur la piste. Alors, comme vous le disiez, notamment Francis, le championnat de France junior, c'est pour vous dire eh bien, à quel point, notamment nos pilotes juniors. Bon, ça y est, c'est l'heure des essais libres. On y va et j'ai regardé la piste, ça a l'air plutôt pas mal. Un peu gras pour le moment, mais ça devrait aller. On a fini les essais libres ce matin, ça s'est bien passé. Enfin non, ça s'est pas hyper, ça s'est bien passé mais pas trop. Feeling pas ouf sur la tenue, en gros c'est pas les mêmes matières de ce qu'on a d'habitude, donc j'avais une taille en dessous. Un peu galère à rouler, mais bon j'ai quand même bien réussi. Quatrième temps il me semble, donc quand même content. Ensuite là on va voir les chronos, donc on va se préparer pour les chronos et puis on va essayer de mettre du gaz et faire la pole devant les Français. On est venu à l'entraînement. Ouais. À la fin, quand on est parti, il était pépite. Non. Si, la terre, c'est comme ça, il est bouliche. Non.
Chrono, ça s'est super bien passé, on fait la pole, donc première pole depuis le début de l'année, donc c'est super, une bonne vitesse quand même. On n'a pas eu trop le temps de faire un débrief, mais ça s'est quand même vraiment bien passé, une bonne vitesse et tout, donc c'est parfait. Maintenant on se prépare pour la première manche et puis on va essayer de mettre du gaz. Il y a de l'orage qui arrive, donc c'est chaud. Mano, les 125 ont été décalés de jusqu'à 18h parce qu'ils ont eu un gros retard, et là il y a l'orage qui commence à taper, donc c'est vraiment cool. Tenue French GP, bien rafistolée, on va dire. Alors, de mon pointage, je pense que tu avais 17-18 points de retard, tu en as pris 25. J'ai l'impression qu'au moment où je te parle, les 125 ont démarré. T'es le nouveau leader, Jean-Marc. La journée est finie, je suis désolé, on n'a pas fait trop d'images, on n'a pas trop le temps, c'est un peu la galère. Essaye de faire au mieux. Du coup, c'est super bien passé aujourd'hui, journée parfaite, premier au chrono, premier à la première manche, donc incroyable.
Je suis parti dans les 3, je suis parti 3 il me semble. Après, avant de commencer la manche, beaucoup d'orages, des éclairs à bloc et tout, franchement c'était impressionnant. Je pensais qu'ils allaient annuler la manche, mais du coup non. Et pas mal de pluie pendant toute la manche, mais j'ai réussi à bien gérer ma course. Je suis parti 3, j'ai doublé mes adversaires un par un, tranquille, façon de dire. Mais surtout du flow, et puis je gagne la manche avec 10 petites secondes d'avance, donc c'est impeccable. Maintenant, on n'a plus qu'à faire ça pareil pour demain, et puis je vous dis à demain, bonne nuit. On arrive à la piste, dimanche matin, il est, je vais vous dire ça, il est 7h57, donc on a la manche à 11h30, on vient un peu plus tôt parce que vu que c'est Thierry qui coach Mano, lui il a la manche bientôt, donc ça lui permet de laisser le temps avec Mano, et puis nous ça nous permet aussi de voir les 125, on va aller prendre un petit déjeuner, voir la piste, et puis après bah, faudra déjà se préparer. Mesdames et messieurs, si vous ne voulez pas repartir à pied ce soir, un conseil, les fourrières sont prévenues. Vous avez 15 à 20 minutes. Ça sent le fouet. Ah oui, ça sent le fouet, c'est de la paille, quoi, non ? Non mais t'es con quoi. Mais oui, c'est ça. Et on regarde bien mesdames et messieurs pour les amateurs de freestyle. Merci à toute la sécurité. On remercie la La poste.
Hey, on peut être dans le vlog aussi ou pas là? Parce que non, heureux non, mais ça va. Ma plaque, ouais, sur les plaques, ça les gars, vous avez embatté la Marseillaise, on refait pas. Deux Français sur le podium, les gars. On se fait un petit stade. Ouais, les gars, vous reprenez après moi. Après-midi, je vais faire un petit retour sur le week-end et la deuxième manche du coup. Donc la deuxième manche s'est plutôt bien passée, un bon départ, je prends vite la lead. J'ai fait pas mal d'erreurs au début, donc un peu galère, j'avais mal au bras. Mais bon, c'est quand même bien passé, j'ai mené toute la manche et j'ai gagné. Du coup, première fois que je gagne un week-end à l'Europe. Déjà en plus, je gagne en faisant 1-1, donc franchement incroyable. Et devant le public français en plus, ils m'ont vachement encouragé et tout, donc je les remercie énormément. Du coup, je pense que ça va être une vidéo quand même assez courte, je suis désolé, c'était un peu galère de filmer, surtout qu'on avait pas mal de... Enfin, Aurélien avait pas mal de boulot, il devait travailler pour le team et pour moi, donc un peu galère. Mais bon, j'espère que vous êtes quand même régalés à regarder cette vidéo et que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, aimer et puis s'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis ciao, à la prochaine, merci à tous.